Et en effet, on a ressenti les jours précédents un vrai engouement. Les gens posaient des questions sur la date de sortie, sur les opportunités de voir les auteurs, les dessinateurs de ce livre-là. Donc oui, il y a un engouement qui est naturel. Après, c'est pas une passion débordante, mais en tout cas, oui, il y a un vrai engouement des lecteurs de ce genre de bande dessinée. On peut en penser beaucoup de choses, déjà dans le sens où, à partir du moment où c'est une reprise d'une série aussi connue, l'enjeu est énorme. Et je crois qu'on peut dire, comme c'était le cas du premier numéro par les nouveaux auteurs il y a 2 ans, que pour l'avoir déjà lu, le pari est réussi, dans le sens où on a des sujets déjà assez classiques, notamment sans rien trop dévoiler, on va parler de la guerre des Gaules, de César, etc. Donc il y a ce respect de la tradition antique et en même temps tous les jeux de mots qui étaient chers à Goscinny, etc., qui peuvent revenir. Donc ce lien entre antiquité et modernité qui est bien utilisé et qui fonctionne bien. Les deux derniers Astérix que j'avais lus, j'étais limite un petit peu sur ma faim par rapport à ce que j'avais connu quelques années avant, et donc je suis passé par une phase où j'ai un peu été moins attiré par lire Astérix, et c'est vrai que c'est en offrant plutôt à mon fils que j'ai recommencé à les lire et que j'ai découvert que ça me replaisait de nouveau. Ouais.